una pelle pendant 20 ans, 60 km. Les Vietnamiens avec leur taille sont passés, et les Américains ne sont pas jamais passés. On a des pièges partout comme ça. Là, à 40 cm large et puis 70 cm de haut. Doté d'un système de tranchées laborieusement ramifié, l'outil est devenu un énorme piège mortel pour l'ennemi. Grâce à ces réseaux de tunnels, solides comme du acier, les petits maquisards de Houthi, avec leurs armes rudimentaires mais ingénieux, ont pu résister à l'ennemi plusieurs jours de suite. Connaissant les tunnels comme leurs poches, les maquisards pouvaient faire surface ou dans l'isphérètre, n'importe où, n'importe quand, à la grande surprise de l'ennemi. Oh, oui, très bien. Hein. Une fois que tu tombes là-dedans, c'est un vrai piège. Là, t'es empalé, hein. T'as mis des produits de moustiques, non? Non, il n'a pas mis. T'en as mis, toi? Non. Non, bien sûr. Tu sors de l'eau? Oui. Tu vois la lumière? Non. Ça, c'est quand même le tunnel pour accéder au quartier général, mais là, il n'y a plus de lumière. Là, il n'y a plus de lumière. Voilà la fabrication des chaussures de l'époque. Des chaussures récupérées, des pneus de voiture et de camion. Personnel.